Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro-Congo News Sport. Nous analysons bien nos matchs. Je crois que nous serons parmi les premières équipes de l'RDC qui se crée énormément d'occasions. Et on sera encore la première équipe de ce championnat qui rate énormément de buts. Donc, le problème se situe à mon avis, au niveau de l'attaque. Ce qui est vrai, il ne faut pas encore perdre le match. Il faut continuer maintenant. On souhaite enchaîner de victoire à victoire pour rattraper. Mais ceux qui sont en avance, si vous regardez, ils ont joué beaucoup de matchs par rapport avec eux. Et si nous, on parvenait à gagner le match qui se suit, je crois qu'on va les rattraper et pourquoi pas s'imposer au classement. Ici, presque tout le monde a perdu. Ça fait 3 jours qu'on est en train de maintenir le site. On devrait compter sur vous-même, mais il ne faut pas compter sur les fanatiques qui ont été sanctionnés. Et c'est dommage qu'on ait sanctionné ces fanatiques. Ce n'est pas tous les fanatiques qui ont mal agi, mais il y a un poignet de gens qui sont manipulés, voilà. Ils ont gâché la fête et les jeux sont préparés, ils seront sur le terrain sans les deuxième monde. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.